Après Xbox et PlayStation, c'est au tour de Nintendo de diffuser sa première émission de l'année. Non, pas de Nintendo Direct, mais un Partner Showcase qui était centré sur les jeux d'éditeurs tiers. Il ne fallait donc pas s'attendre à de grosses révélations, même si on a eu tout de même quelques petites surprises. Je résume toutes les annonces dans un mini récap. On s'y attendait un petit peu avec les rumeurs, le direct a commencé avec l'annonce d'un portage d'un jeu Xbox, et le premier à être confirmé ici, c'est Grounded. Le jeu de survie tout microscope arrivera le 16 mars 2024, et on a pu voir un premier trailer. Un petit peu après, c'est Pentiment qui a lui aussi confirmé une version Switch, et elle arrivera bien vite puisque ce sera dispo demain, ce 22 février. Par contre non, pas de Hi-Fi Rush, on ne sait pas si ça va être annoncé en décalé, vu que la date PlayStation 5 est tombée juste après, le 18 mars. Drôle de timing de communication, mais je vous tiendrai au courant si Hi-Fi Rush arrive sur Nintendo Switch. Under Lilies, Quietus of the Nights, était un action RPG qui avait connu un petit succès. C'est un jeu qui mélangeait Hollow Knight et Dark Souls et qui était sorti en 2021. On ne s'attendait pas forcément à une suite, et pourtant on nous a dévoilé Under Magnolia, Bloom in the Mist. On y incarnera Lila dans le même univers avec une arrivée sur Switch en 2024. Alors il y avait des petites mentions légales qui précisaient PC, PlayStation et Xbox, alors on ne sait pas trop si c'est une exclusivité temporaire ou une erreur de communication, mais voilà, pour l'instant c'est annoncé en premier lieu sur Switch. On reste sur la scène indépendante avec un jeu de puzzle appelé Arranger, A Role Puzzle Adventure. C'est développé par l'auteur derrière le jeu Carto, et il va falloir progresser case par case à travers des labyrinthes, alors que tout est en train de bouger en même temps que vous. Et faut avouer que c'est bien joli, ça arrivera cet été sur Switch, mais aussi sur PC et PlayStation 5. Je vais passer rapidement sur Unicorn Overlord, qui a simplement partagé 2-3 images, et qui a surtout annoncé une démo qui est jouable dès maintenant. Trois autres titres ont également annoncé des démos avec Contra Opération Beluga, Pocket Card Junkie Raiden, qui est un jeu de Game Freak, et enfin Paper Grinder. D'ailleurs ce dernier, qui est un jeu d'action en 2D, a également annoncé une date de sortie qui est fixée au 28 mars. Vous le savez, cette année, Nintendo aime bien les remakes et les remasters, donc Capcom s'est dit que ce serait parfait de profiter d'un direct pour recycler le premier jeu Monster Hunter Stories. L'aventure qui était disponible sur 3DS va faire son retour en HD, en plus d'être entièrement doublée ici. On aura également un mode musée et une sortie sur PC, PlayStation 4, en plus de la Switch. Et histoire de rester dans les retours, on va aussi avoir droit à un remake du jeu Epic Mickey. On est face à un jeu de plateforme qui va reprendre le même principe, c'est-à-dire incarner la souris malicieuse armée de son pinceau magique et qui lui permettra d'avancer dans les décors. Une arrivée qui va se faire sur PC, PlayStation, Xbox et Switch cette année. La prochaine annonce n'était pas une grande surprise étant donné que ça avait fuité un petit peu avant. Mais quoi qu'il en soit, c'est maintenant officiel, Shin Megami Tensei V va revenir avec une édition Vengeance. En plus d'arriver sur PC et les autres consoles, il s'agit ici d'une version améliorée avec un scénario inédit, de nouveaux lieux et de nouveaux monstres, et il a déjà une date de sortie. Rendez-vous le 21 juin 2024. On continue avec les remasters avec cette fois-ci un autre projet assez inattendu. Les deux premiers Star Wars Battlefront, qui étaient sortis au milieu des années 2000, vont revenir sur Switch dans un seul et même portage. On y retrouve les deux jeux de base et tout le contenu qui était sorti par la suite. Un remaster qui permet donc de découvrir le mode solo des deux jeux, mais il propose également de revivre les sensations du multijoueur avec des serveurs qui vont pouvoir accueillir 64 personnes. C'est prévu pour le 14 mars 2024 sur PC et toutes les consoles. Rapide passage pour le jeu South Park Snow Day, qui n'avait absolument rien à nous dire, pour ensuite passer à l'annonce d'un nouveau jeu SAO. Sword Art Online Fractured Daydream se présente comme un jeu d'action où vous allez pouvoir jouer soit en solo, soit en multijoueur jusqu'à 20 personnes. Pas vraiment d'informations sur le contexte de cet épisode, même si on va être sur une histoire originale. L'objectif est de mettre l'emphase sur les combats de boss pour participer à des raids collectifs et des quêtes à plusieurs. On pourra d'ailleurs incarner plusieurs personnages des 3 premières saisons et des différents films. Une bêta aura lieu très bientôt. Des jeux Gundam, on n'en voit pas forcément tous les jours en Occident. Pourtant, Gundam Breaker 4 a tout de même eu droit à un passage pendant le Nintendo Direct et va se présenter comme un jeu de rêve pour tous les amateurs de figurines Gunpla. Vous pourrez ici bâtir votre propre Gundam pour ensuite le piloter au sein de plusieurs missions. Ça arrive en 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch. La franchise Monkey Ball est de retour pour un nouvel épisode tourné vers le multijoueur. Super Monkey Ball Banana Rumble vous permettra de rouler sur plus de 200 niveaux avec une expérience qui sera jouable jusqu'à 16 personnes. On peut aussi le faire en coopération et au travers d'un mode aventure qui arrivera sur Nintendo Switch le 25 juin. On ne s'attendait pas à ce que World of Goo s'offre une suite 15 ans après avoir marqué le monde des jeux indépendants, et pourtant le studio a encore quelques idées. On a donc pu voir un petit peu plus d'images pour ce World of Goo qui arrivera sur Switch en 2024. Pour rappel, l'objectif est de résoudre des puzzles et pourquoi pas y jouer en coopération jusqu'à 4. Le prochain jeu Fantasy Life a dévoilé un nouveau trailer et surtout une date de sortie. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, hein, il va falloir attendre le 10 octobre 2024. Pour rappel, on a ici un jeu avec un concept assez proche d'un Harvest Moon avec des mécaniques de RPG. Encore un Souls-like ? Oui, mais pas n'importe lequel ! Un Other Crab's Treasures vous fait incarner un crabe qui doit combattre d'effroyables crustacés. En plus de confirmer une version PlayStation 5 qui s'ajoute aux versions PC, Xbox et Switch qu'on connaissait déjà, on a une date de sortie qui est fixée au 25 avril 2024. Puis on a ensuite Penny's Big Breakaway qui s'est offert une sortie surprise. Le jeu est donc disponible là, maintenant.
Pour rappel, c'est un jeu de plateforme en 3D où on va y suivre Penny qui va devoir échapper à une armée de manchots. En même temps, quelle idée de laisser son compagnon chaparder le pantalon de l'empereur. C'est vrai, on s'en rend pas forcément compte vu de l'Occident, mais Suka Games est l'un des jeux qui est actuellement les plus joués sur Switch. Logique donc de le voir apparaître dans ce Nintendo Direct pour un DLC payant. Celui-ci va notamment ajouter la fonctionnalité des duels en multijoueur local. Plus rapidement, et comme à chaque Direct, on a eu droit aux nouveautés à venir pour le Nintendo Switch Online. C'est le studio Rare qui a été mis à l'honneur avec Killer Instinct et 4 autres jeux que vous voyez actuellement à l'écran. Les 5 sont déjà disponibles dès maintenant. Et comme chaque Direct également, on a eu droit à l'habituel mashup. Alors rien de bien nouveau ici, si ce n'est Kingdom Come Deliverance qui a enfin donné une date de sortie. Ouais, 3 ans après avoir annoncé son portage Nintendo, le RPG est enfin prêt à débarquer. Il sera disponible le 15 mars 2024. Et pour terminer, l'annonce de fin, c'était Endless Ocean Luminous. Après 2 épisodes sortis sur Wii, la licence revient avec un nouvel opus. Cette fois-ci, la simulation de plongée sous-marine pourra se partager à plusieurs, avec des eaux qui vont pouvoir accueillir jusqu'à 30 personnes en simultané. Vous allez ainsi pouvoir parcourir les profondeurs de la mer voilée, une région inexplorée, et découvrir plus de 500 formes de vie aquatique. Bonne nouvelle, on a déjà une date de sortie, rendez-vous le 2 mai prochain, uniquement sur Nintendo Switch. Voilà un Direct Partner qui était assez calme dans l'ensemble, même si c'est vrai, on a eu quelques petites surprises sympathiques. On voit de toute façon qu'on arrive doucement vers l'annonce de la prochaine console de Nintendo, et on imagine qu'il va falloir attendre encore quelques mois avant d'avoir un vrai Nintendo Direct. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et pourquoi pas me faire un petit top 3 des jeux que vous retenez. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao tout le monde !